Un truc qui m'a vraiment plu, c'est le fait que en dehors des cours, on avait aussi nos moments pour nous. Et donc ça passe à la fois par des projets qui sont organisés par le lycée. Donc comme en première année, on avait été visiter Georgia Tech, ou même on a été au GEN. Bah, du coup, j'y suis allée 2 ans. Grand test numérique, Le grand test numérique donc, qui est organisé à oui, Metz. c'est le salon du digital, Ouais, du oui. numérique à Metz. Et donc, c'est à la fois donc, ces sorties qui sont aussi bien parce que on peut rencontrer des professionnels ou des élèves qui sont ben, plus âgés, qui sont déjà en école d'ingénieur. Donc, pour discuter, c'est bien. Mais c'est aussi ben, la bonne ambiance qui s'est créée avec tous les élèves de la prépa. Et donc, on organise aussi par nous-mêmes des petits trucs. Ça peut être une soirée bowling ou un truc. Qui demande, enfin, pas vraiment d'organisation, mais juste se retrouver en dehors des cours, enfin, parfois ça fait vraiment du bien. Et c'est sûr que bah, en prépa, on a toujours un petit coup de mou, ça arrive souvent à la période de Noël, quand il fait nuit, quand c'est difficile d'être là de 7h30 à 19h, 19h30 le soir, tous les jours. Et c'est vrai que quand on organise ces petites sorties le week-end ou quand c'est possible, ça permet vraiment de lâcher prise et de penser à autre chose. Et enfin, ouais. Moi, je sais que ça a permis de me faire tenir en prépa. Ouais, c'est plus motivant, D'accord. ça fait penser à autre chose un peu. Ok. Merci beaucoup.